Présent ici en solidarité pour cet événement-là, qui touche moi très fort au cœur. Et aujourd'hui, je trouve sa quantité du monde là devant moi. Il fait moi très grand plaisir parce que c'est un combat humanitaire. Comme je te connais récemment, tu es un tremblement de terre dans Népal. Comment nous entendons que nous, à Maurice, nous très très chanceux. Mais seulement ne pas oublier qu'il y en a beaucoup du monde dans le monde qui peut souffrir. Peu importe qui religion je t'étais, peu importe qui situation je t'étais, nous devons trouver une façon qui nous capable, main en main, nous capable soutenir ben, les autres du monde de toute façon possible. Qui dit l'argent, qui dit emmène power, qui dit dans n'importe quelle façon, nous capables d'envoyer nos bonnes messages, nos bonnes la prière, nos sens de responsabilité à travers tout le monde qui souffre au niveau international. Parce que quand nous avons la chance ici, nous devons respecter que bon Dieu choisit nous pour nous capables de faire ce qu'il nous peut faire. Et je remercie l'organisation ici qui vient prendre une décision pour faire ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et je remercie tout le monde présent en collaboration d'aujourd'hui. Merci. In the Syria crisis, the children are particularly hard-hit. A newly published UNHCR report confirms that a generation of children are growing up in painfully challenging and insecure circumstances. It is a possible lost generation. Abdullah has lived in Zaafri refugee camp for almost a year. He doesn't go to school, and neither do most of his friends. More than half of all the school-age Syrian children in Jordan and Lebanon are not in school. Many haven't been for almost 3 years. Some never attend again. Often, refugee children are the only ones in their family able to generate an income. Amr has worked as a mechanic for over a year. He is 16 years old. His job helps feed his family. Et pour
Religieuse ou politique.
Le monde en entier, et il fait nous plaisir que nous trouvons beaucoup de camarades de différentes bords politiques qui nous viennent ce soir pour soutenir sa cause-là. Parmi nous, camarade Madame Dalou. Camarade Madame, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Et camarade Madame, présent parmi nous, je suis content si camarade Madame dit deux mots sur ce sujet-là. Merci. Et nous remercions les autres au nom de l'humanité, au nom de nos bandes grandes du monde et au nom des bandes générations futures qui nous présentent ici pour montrer nos solidarités, nos soutiens avec tous nos bandes frères et sœurs qui peuvent souffrir à travers le monde, qui ne peuvent pas trouver une patrie pour eux et qui peuvent vous viser toujours à la recherche d'un gîte, d'un endroit pour être resté et surtout à la recherche du bonheur. Nous ici, Jardin Compagnie qui bourrait d'histoire de création, formation et naissance de nos pays. Et nous faisons l'occasion, nous, moto beaucoup de camarades, d'anciens combattants qui sont présents ici. Et moto aussi, il y a quelques jeunes qui là, qui, nous ici, Mauriciens, nous faisons pas passeport de difficulté pareil. Moto camarade Alan Ganou qui là, quand nous étions étudiants dans l'Europe, à Paris, il y a un sans-papier mauricien. Comme hier, il y a un camarade Hervé Masson, moi-même et plusieurs autres camarades. Nous avons besoin d'aide nos camarades mauriciens, frères et sœurs mauriciens, pour être capables de gagner un droit d'habitation et dans beaucoup de nous, éparpillés à travers le monde. Et maintenant, ici, Maurice, nous trouvons frères et souffrir dans les autres bandes parties du monde, hein, en général. Donc, il mentionne certains pays, la Syrie, qui c'est terrible ce qui est passé. Et nous espérons que nous sommes capables, par nos présences ici, à conscientiser non seulement nos pays, nos soeurs, frères mauriciens, et nous sommes capables d'aider autant que possible selon nos moyens pour que tous nos frères et soeurs à travers le monde qu'ils soient capables de trouver un endroit. Nous ici, nous avons nos soeurs, frères, nous avons nos camarades, hein, frères, soeurs, sardouchiens, nous avons d'autres problèmes nous-mêmes, mais bon problèmes que les autres peuvent souffrir ailleurs, est beaucoup plus grave et beaucoup plus insoutenable que ce que nous, le manifeste mauricien, nous peut souffrir. Alors, c'est quelques mots-là, donc merci et ensemble, nous essayons de trouver une solution pour l'humanité tout entière. Merci. I'm here in Zaatari camp. You can actually see an awful lot of the camp behind me. It just goes on and on. It's been an amazing 3 days.
I've been plunged into absolute despair at the monstrous things that human beings can do to human beings. Like the story of the father who was kicked and beaten by a corrupt official for over an hour in front of his wife and children as they tried to leave Syria. Or the family who walked for 15 days to get to the Jordanian border, their shoes dissolving on their feet without them even noticing. Or little Rania, whose jaw was shattered when the same bombardment on her home that killed her father. And all the many other heartbreaking stories I heard, but they made it to Zaatari camp, managed by UNHCR. You've got 100,000 people here, you have 100,000 stories from home. How do you cope? What I say is, we're living every day your worst nightmares, any human being's worst nightmares. So we deal with what is the failure of humanity, in fact. And of course, we deal with a very large number of people. So it becomes even more difficult when you listen to the individual story, that one story. I say these are 100,000 stories out here, 100,000 heartbreaking stories. But through the heartbreak, I saw immense strength and resilience. Camarade présent, vous saluez tous vos camarades présents ici. En particulier, les jeunes qui ont besoin de l'élan de solidarité qui nous fait soulever en faveur de cette grave crise humanitaire qui peut secouer le monde, mes camarades. Une des plus graves crises migratoires depuis la Deuxième Guerre mondiale. Merci donc à tous les camarades qui rentrent dans le comité de soutien, le comité de solidarité. Merci à tous vos camarades qui sont venus ici ce soir pour vous témoigner de votre solidarité envers ce désastre aujourd'hui qui peut terrasser la Syrie et toute la région. C'est vrai, mon camarade, nous t'y soulève ce problème-là. La conférence de presse, OMP. Nous sommes contents de saluer le camarade Jack Bizlal aussi pour cette interview, pour lui aussi dit qu'il s'est conscientisé de la population de nos pays, l'eau ça a un grave problème là. Et c'est à cause de ça qu'ils m'ont dit camarade Bizlal, laisse camarade Bizlal d'aller à cause en dernier parce que c'est lui qui va vous dire, il nous donne le key address pour ce soir dans sa place. Quand nous pouvons assiser, quand nous pouvons dire aujourd'hui, ils ont des compagnies, une place, comment tu as la camarade Larido, il rappelle nous, puis une place historique lui aussi, où tout le combat qui est dans l'île Maurice, tout le force progressiste inaménée, dans l'île syndicat, la différence, la grève, la faim en faveur de l'opprimé. Et aujourd'hui, nous là, nous pouvons transmettre un peu l'histoire à Banzen, camarade qui l'a, nous pouvons faire le relais. Nous payons ici pour une cause humanitaire et mon contact pour mon diatère, il y a beaucoup de camarades zen parmi nous aujourd'hui. Alors donc, mes camarades, je ne vais pas vous donner le détail de la crise, pourquoi je peux suivre les événements tous les jours. Aujourd'hui, que la technologie permet nous de suivre partout ce qui veut passer dans le monde. Donc, 50% de nos foyers demande syriens déplacés. Ça veut dire 50% de familles dans Syriens, ils viennent sortir dans toute la case, aller. Soit à demande pays avoisinants, comme le Liban, la Turquie, etc. Ou bien, comment vous devez connaître, vous trouvez, traverse Méditerranée, masser pendant des jours, des longs jours, pousser et rentrer devant les autres pays d'Europe. Hier soir même, moi, tu peux lire, et une madame tout une accoussée. Parmi sa longue lamosse qui se permet là. Madame Lapessa, il y a ce petit baba de 12 ou 15 jours, papa même gagne le temps à l'aide de ce petit baba là. Il faisait marcher pour suivre de tout le côté dans qui il y était. Ça, quelle était la souffrance là aujourd'hui, mes camarades, les peuples du monde, d'un pays dans le monde, peut passer. Et nous, dans nos partis, nous comptons nous soutenir sa cause là. Parce que dans nous, bonne valeur et engagement, pareil comme tout le monde parti progressiste, bon mouvement socialiste.
nous solidarisons avec un peuple opprimé. C'est un engagement qui nous prend. Et c'est un engagement que tout socialiste prend normalement. Ils ont dit, pas fait rien, nous tiguines, qu'il faut nous pas gagner, c'est que nous puissions compter le nombre qui nous attendent, mais pas fait rien. C'est vrai qu'il nous allait un peu vite faire conférence de presse deux jours de cela. Le comité de solidarité mettait à pied NCN de cela. Mais aujourd'hui, c'est un kickstart, c'est un premier coup d'envoi. Vous espérez dans les jours, dans les semaines à venir, si il y en a pour prendre encore les initiatives, prendre encore, organiser encore les autres activités, c'est tout qu'il a, mon camarade, ensemble, parce qu'il n'y a pas de problème politique, ça. Mon camarade, il vient dire avant moi, c'est une crise humanitaire, ça issue là, transcende différentes opinions politiques qu'il a, et mon content, mon tout camarade Ousmane Mohamed, là, un député parti travailliste, camarade Arwin Boulel, il me dit qu'il est pour venir plus tard, on espérait qu'il vienne. Il dit bon, qu'il m'a tout camarade Madame Delou, qui est un camarade de moi-même, qui est là, qui est venu en tant que ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, il participe, il témoigne, il fait un témoignage de solidarité lui aussi. Et il y a les autres camarades dans les autres partis politiques, il vient. À Ivan Colin Davelou, il dit à nous, il est pour venir, mais à la dernière minute, il a un problème de famille, ses enfants sont bien blessés. Donc il téléphone moi pour dire moi transmettre. Sur solidarité et qui malheureusement n'est pas capable présent aujourd'hui. Donc mon camarade, mon petit peu dire aux autres, la plus grande crise migratoire. Et puis il n'y a aucune indication que sa migration-là peut arrêter. Au contraire, peut continuer de plus belle. Comment nous devons trouver, mon camarade? Comme on dit aux autres, elle est là, 4 millions de monde, une sortie de la Syrie, une dans un pays voisinant. Encore, puis aller même encore depuis le commencement de l'année, 250 000 d'hommes, ils quittent la Syrie à travers la Méditerranée, puis aller vers le route, nouveau terre d'accueil, un nouveau pays d'accueil, pour capable redonner l'asile, mon camarade. C'est vraiment de la détresse quand nous trouvons tout ce qui peut passer. Quand nous guettons même les images qui nous fait trouver là, c'est vraiment la grande détresse, mon camarade. Et nous comptons. Beaucoup de pays aujourd'hui peuvent ouvrir la porte. Dans le Canada, par exemple, loin de la Syrie, l'État canadien est d'accord pour ouvrir la porte. L'Europe aussi, pour nous trouver, il y a beaucoup de pays qui peuvent ouvrir la porte pour accueillir ces migrants, ces camarades qui ne passent autant de difficultés que ça. Mais en vérité, vous pensez qu'il y a trois raisons qui font nous viser là aujourd'hui. Premièrement, pour Mme Gamar India avant moi, nous sensibilisons nous les peuples. Nous-mêmes, nous sommes les peuples d'immigrés. Nous sommes nous grandis, nous sortis dans tous les autres pays. Quatre coins continents, ils viennent ici. Le monde a plusieurs continents, ils viennent ici, mes camarades. Nous sommes les peuples, nous-mêmes, nous sommes les peuples d'immigrés, nous venons dans ce pays-là. Et aujourd'hui, nous connaissons les Mauriciens, c'est capable de sensibiliser. Et nous devons aujourd'hui, nous là aujourd'hui, pour nous sensibiliser, nous les peuples, l'eau, ça grand drame humanitaire qui peut passer dans la Syrie là. Donc conscientise nos populations pour en faveur ça, les peuples qui aujourd'hui passent dans beaucoup, beaucoup de difficultés, en désarroi et en souffrance. Deuxième raison qui vient nous là, mon camarade, nos visins capables de sensibiliser nos gouvernements. Et malgré aujourd'hui aussi, et il y a un camarade dans le gouvernement qui téléphone moi, qui dit moi, il est pour venir. Un ministre, il n'est pas là, on ne connaît pour quelle raison, mais qu'importe. Mais nous, c'est nos devoirs sensibiliser nos gouvernements. Camarade Jack Bizan, il vient dire, nous sommes capables d'accueillir nous aussi. Ça va une femme, certaines de bonnes familles syriennes. Les papes, ils disent, mon camarade, ils font l'appel à ces bonnes paroisses dans l'Europe. Qu'ils ont aussi, ils ont besoin d'accueillir sa bonne famille syrienne en détresse, en désespoir, comme on le fait dire tel est là. Nous ici, sur l'île Maurice, nous sommes capables de faire ça. Et qui fait un mauvais dire ça, mon camarade? Nous sommes les peuples sous-peuplés, nous sommes un pays sous-peuplé, pardon. Nous sommes un pays qui vise à compétence, nous sommes un pays vieillissant. Et nous pensons, nous avons l'espace pour nous capables d'accueillir, pas si symboliquement, mais certaines familles pour venir dans nos pays parce qu'il n'y a pas de trop pour l'île Maurice aujourd'hui accueillir de nouvelles compétences parce qu'il y a un pays
nous souhaite le plein développement, faire progrès économique, etc. Beaucoup, quoi nous devait connaître, c'est Van Syriella, c'est Van Dirunkena, beaucoup, beaucoup d'expérience dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc nous avons un devoir vis-à-vis de nos gouvernements pour nous conscientiser nos gouvernements, pour capables, nous aussi, petite île Maurice qui nous était, avec nos 1500 km² dans l'océan perdu, mes camarades, nous capables, nous aussi, donner l'exemple de solidarité au monde et nous capables d'accueillir certaines bonnes familles de Syrie. Troisième raison qui fait nous là, mes camarades, qui fait pour continuer demande, faire l'appel avec mon pays, l'Europe en particulier, ouvert les bras, les grands. Il casse les quais à ça. Quand nous trouvons un pays, il met 475 km de divils barblés, pampes. Ça va un camarade réfugié, migrant là, rentre dans notre pays. Et ce pays qui fait ça là, c'est un pays qui font partie de la nouvelle Europe. Un pays qui sort même là, tu ne peux pas se miser à une des trois années de cela. Je rentre dans la communauté européenne pour se défendre une valeur généreuse, humaniste de l'Europe. Mais malheureusement aujourd'hui, les quais tristes, quand nous tombons, peut mettre barbelés partout. Et ça va le pays là, ce même nous attirons de libération, nous écrasons, ban mire de la honte. À l'époque, mon camarade, nous rentre dans l'Europe, nous bénéficions certains avantages. Et aujourd'hui, nous risons, ban nouvelle mire de la honte. Contre ban migrés, contre ban migrants, contre ban réfugiés syriens, mes camarades. C'est triste. Et c'est triste aussi pour un pays comme la France aujourd'hui. Nous connaissons la France, sur l'histoire, un temps, ou bien un de ban berceaux de la démocratie en Europe. Nous connaissons l'histoire de la France, mes camarades. Aujourd'hui, d'après plan Union Européenne, la France, soi-disant, pourrait accueillir 24 000 réfugiés. Donc, quand l'Allemagne, 31 000, la France, 24 000, l'Angleterre, moins encore, l'Espagne, c'est pas 14 000, mais il n'est pas possible ça. L'Europe, qui bizarre, ouvert sur les bras, plus grand encore. La France et ben, les autres pays, qui bizarre, ouvert sur les bras, plus grand encore, mes camarades. Pour vraiment défendre bonne valeur qui se même se prône, bonne valeur d'humanisme qui l'Europe prône. Et à cause de ça, donc, nous ici, pour nous faire l'appel avec ce même pays d'Europe là, pour qu'ils ont arrêté l'Allemagne, par exemple, nous disons dire, qui interrompt sa voie ferroviaire, train entier avec l'Autriche, pour contrôler les immigrés, pour empêcher les réfugiés rentrer, mes camarades. Mais ça va quand même. L'Allemagne, c'est peut-être le pays de l'Europe qui fait beaucoup plus pour savoir réfugier là. Donc, troisième raison qui fait à nous là aussi, c'est pour ne pas mettre pression, nous ne sommes pas capables de mettre pression, mais une base humaniste, d'imman avant le pays de l'Europe, où qu'on ouvert les bras, plus grand encore. Merci, zone accueillir beaucoup de réfugiés. Merci, zone mine en aide à beaucoup, ça va un pays qui ne veut pas, ça va du monde qui ne veut pas se miser là. Nous le trouvons, mon camarade, combien de petits enfants peuvent marcher, kilomètres, combien de noyés. Nous rappelons ces images, ces petits garçons à Island là, ce petit léco, gonflé à Dilo, ils noyaient, peuvent baloter l'eau par les flots, loin de la plage. Mon camarade, tous ces images là, dans nos mémoires, dans nos esprits. Donc nous devons dire merci à mon pays qui peut ouvrir, vous êtes les bras qui peut accueillir mon camarade réfugié de la Syrie. Mais il passe. Nous devons continuer donc faire un appel pour qu'il davantage montrer, pas seulement en mots, comment Motipelier hier, Motipelier quelque chose sur la toile, mon camarade. Pourquoi autant que je me rappelle, c'est un homme religieux, juif, qui tu veux dire ça. Il dit à l'Ipassé, nous dit à ce moment de réfugié là, nous avec eux, bon courage. Nous avec eux, mais bizarre pour Banzès concret, bizarre pour Banzès vraiment humanitaire, bizarre comme anglais dit, walk the talk, bizarre mettre en pratique, bizarre capable concrètement, c'est aide tout ça de réfugiés, milliers encore, quoi, mon dieu, qui peut continuer à venir pour
pour votre sécurité, pour votre famille et pour votre bande d'enfants. Nous passons à un moment difficile, mes camarades, en vérité. Parce que même nous loin, même dans notre pays, même nous Mauriciens, dans nous les KR, ça m'a une souffrance qui nous trouvait tout à l'heure là, ou bien qui nous peut tous les jours l'honnête, vraiment tous nous, mes camarades. Et comment ça s'est trouvé, nous ne pas rentrer dans le fond politique du problème. Nous ne pas venir condamner M. Assad, ni venir guetter qui M. Poutine peut le faire. Nous ne pas rentrer dans le fond du problème. Ou bien, si y a contre un terroriste qui aujourd'hui peut provoquer tout ça, un problème qui peut arriver aujourd'hui dans la Syrie et dans la région. Nous ne pouvons pas rentrer devant le problème politique, devant le problème le fond du problème. Nous pouvons là, ZIS, pour solidariser une base humanitaire avec ça va millions de réfugiés aujourd'hui. Les tristes aujourd'hui, ce qui peut arriver, mes camarades. Et un jour, moi, il y a un livre. Vous avez moi oublié ça, et vous me dites ça toujours, mes camarades. L'homme, l'humain, comment dans l'humain, mesdames et messieurs, de méchanceté, de pouvoir, d'ego, de misère, de pression, mon camarade. Sa phrase-là, vous pourrez vous résumer en créole et vous dire à autres qui c'était sa phrase-là. Est-ce qu'ils ont connu, mon camarade, qui la société protectrice des les animaux en Europe qui crée avant qu'il l'esclavage diabolique. Ça veut dire, à l'époque-là, les gens qui créent sa société-là, ils sont plus intéressés, bien sûr, à nous mettre à protéger les animaux, mais ils ont créé la société protectrice des animaux, et là, l'abolition de l'esclavage est venue beaucoup d'années après. C'est un peu le monde ce qu'il était. Ma camarade dit toujours comme ça, mais c'est le mot fin toujours. Et là aussi, ben Dimon, qui est un grand liqueur. Et nous imaginons ce qu'il n'est pas pu dire. Et nous imaginons tous avant mouvement aujourd'hui, comment nous trouver d'aller là, qui peut solidariser, qui peut travailler d'arrache-pied pour venir réconforter, pour venir aider, pour venir soutenir ça va millions de familles, de réfugiés qui peuvent quitter ce pays. Dans une situation bien bien difficile. Encore une fois, mes camarades, merci, je me présente ici, merci pour votre solidarité, votre tout qui là, merci à mes camarades qui rentrent dans sa comité de solidarité là, merci qui nous réussissent à ici là, il y a un issue qui fait d'un an pour faire avec la politique et comme on dit à eux, les divans, si nous bisons, fait prendre les autres initiatives, faire les autres organisations pour consentir, pour conscientiser nos populations, nos gouvernements. Et que le pays d'Europe, nous puissions faire lire, nous allons faire lire ensemble, ensemble, mes camarades. Nous comptons aux autres donc pour plus vivant. Aujourd'hui, c'est une première rencontre. Merci donc pour votre présence ce soir. Et nous tous donnons la prière, nous prier pour que cette crise-là trouve autant que finit au plus vite et que ce bon pauvre Syrien qui aujourd'hui peut passer un moment difficile comme ça trouve un soulagement. Le plus vite possible. Merci pour votre attention. Dire que maintenant, ce programme-là, ce soir,
Nous avons quitté beaucoup de les autres obligations, nous avons fait des voies pour venir là. Parce que quand nous réfléchissons à la race humaine, quand un enfant prend naissance, première faculté que bon Dieu donne pour ses vies autonomes, c'est la faculté respiratoire. Il commence à respirer, il servit oxygène, n'a pas d'oxygène hindou, oxygène chrétien, oxygène musulman. C'est oxygène de l'humanité. Aussi longtemps que nous avons servi la faculté de la respiration, nous encore un être vivant. Un être vivant pareil comme un Sabandimoun qui dans la Syrie peut vivre là. Nous vivons pareil comme un autre, nous respirons pareil comme un autre. Nous avons, bien sûr, quand nous vivons, nous avons une capacité pour demander le Créateur, parce que nous vivons. Aussi longtemps que nous vivons, il est très important que la prière, dans la prière, nous demande le Créateur, qui, Sabandimoun qui est opprimé là, qui, le Créateur, fait quelque chose pour eux. Parce qu'il ne pas connaît qu'il y a combien de ça qui fait tant. Sa l'âme qui nous est avec nous là, les vivent avec l'oxygène. Quand nous pourrons respirer, l'âme là, nous n'est plus là, n'a pas une l'âme syrie, n'a pas une l'âme mauricienne, n'a pas une l'âme des autres religions, tout l'âme parle d'une seule place. C'est pourquoi me demande je me fais un appel qui dans la prière, il est très important si nous n'a pas été capable de faire matériellement, qui nous fait spirituellement, qui nous solidarise avec sa bande peuple là, parce que vraiment, vraiment, ce qui va nous vivre, c'est quelque chose qui est très très atroce et ne pas qu'un voir insensible à ça. C'est pourquoi mon message est là, c'est qui si nous ne pas capable faire quelque chose physique, nous faire quelque chose spirituel, nous mettre dans la prière à ce que le Créateur trouve une solution pour capable empêcher ça, quelque chose qui peut arriver dans le monde là. Merci. Merci, c'est ça, merci, bon camarade qui prend l'initiative pour organiser sa veillée là. Et en principe, moi, j'apprécie tout ce discours, mais je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'affaires avec certains camarades, ça que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il me conduit, mais mon envie exprime ça qui m'est là en dormant par rapport à sa situation dans la Syrie. Et problème là, il non seulement un problème humain, mais il y a aussi un problème politique. Comme tout bon politicien, Pélos Saint-Nicolas, je veux dire, il y a un problème politique. Il y a un problème politique, je suis content que tout le monde qui est ici, je réfléchis à sa dimension politique là. Moi, personnellement, je ne vois pas que ça n'a pas la tour, que ça n'a pas raison, mais c'est moi, il y a une dimension politique, il ne faut pas nous voir la face, nous dire qui ça, peine à sa dimension politique là-dedans. La dimension humaine, livrée, quand nous faisons ça dernier clip là, quand nous tous les enfants, 10 ans, peut sortir aux autres, parents peuvent pleurer, mais qui s'en a qui responsable ça? C'est le prêtre qui est responsable ça, ban dimon religieux, ban travail social. Encore une fois, c'est ban politicien qui est responsable de cette situation-là. C'est pour cela qu'il veut dire qu'il y a une dimension politique bien forte et qu'il est important que tout camarade qui l'a prend ça en considération. Le affaire, si tu veux que tu envie de porter à ça par rapport à ban réfugiés, moi personnellement, il y a environ 20 ans, 25 ans de cela, j'ai eu l'occasion de vivre dans le pays d'Afrique pendant 5 mois. Mon tout ban camarade soudanais qui baisait son ramassé, je ne vais pas vous dire qui paye ça. Mon tout ban dimoun éthiopien qui baisait ramassé quand je peux rester dans un pays qui n'est pas pour eux. Alors, sa dimension qui ban migrant dans ban les autres pays là, il y en a aussi ce danger ça. Alors, c'est important, qui ban politicien qui l'a, qui ban camarade qui l'a, je prends ça en considération. L'autre affaire qui me tient en reportage aux autres, dans Maurice, il y a beaucoup d'enfants népalais qui viennent apprendre. Les Orodis, ces enfants-là, ils ramassent beaucoup de baisers. Mais pas tous les politiciens qui sont présents ici au soir travailleur social, qui get... Au fait, finalement, ces enfants népalais, aussi, ils sont aussi réfugiés dans le pays. Ils coquent les autres, ils amènent les autres, ils ramassent des baisers. Les Orodis, je connais au moins 7 enfants réfugiés. 7 enfants népalais qui peuvent vivre comme un réfugié dans le pays Maurice, mais pas tout, aucun monde peut lever la voix contre ça. Je ne peux pas arrêter là, parce que je n'ai pas envie de faire un discours comme un politicien politique, moi. Je tiens envie simplement qu'ils se réfléchissent là. Et là, ça va décider de faire qu'ils me portent en ce là. Merci Faisal, merci bon camarade. Et encore une fois, je suis solidaire, je suis bien content que tous ces camarades qui là, malgré un petit groupe. Tout le temps, les films comme ça, c'est pas la première fois, moi là. Plusieurs la grève, la fin, plusieurs manifestations, moi là. Mais en principe, c'est sa quantité de gens qui gagne tout le temps. Merci. C'est un capable de penser qui nous dit.
d'autres capables de penser qu'ils nous lutteront. Je ne sais pas si vous allez faire ce meeting-là ce soir. Mais vous pensez, moi, qui ça quelque chose qu'un camarade prend, il prend lui d'abord pour lui-même. Première affaire qui nous, qui motive nous pour venir là, c'est par rapport à nous-mêmes. Il est évident qu'il y a un criminel. Mais quelqu'un qui laisse un quelqu'un mort, il est aussi un criminel. C'est nos civilisations qui disent nous ça, dans le droit de la civilisation dans laquelle nous vivons. Pire que ça, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui nous guette, qui serait été pour nous saider dans le lit, pour nous protéger ou pas pour protéger. Cette fois-ci, nous pas seulement un criminel, nous racistes. Nous racistes. Alors quand nous, ici, dans ce jardin-là ce soir, pour moi, il est important qu'il me démarque, moi, de l'État qui a la tête de ce pays-là, du gouvernement qui a la tête de ce pays-là, des bandits indifférents qui dans ce pays-là, des bandits qui sont capables de content qui m'est passé dans la Syrie, pour bonne raison que je deviné, mais ni, je ni un criminel, mais ni, je ni un raciste. Et à partir du fait qu'il nous capable de dire qu'il nous pas un criminel et qu'il nous pas un raciste, qui nous proposer? La lettre qui est observatoire de la démocratie n'a envoyé au Premier ministre, il nous a dit des petites choses. Premièrement, à nous accueillir un certain nombre de réfugiés de sa région-là, à Maurice. Un journaliste pose la question, mais combien nous avons accueillir? Il y a une centaine de familles, l'impossible. Donc le slogan qui nous peut adopter dans l'Observatoire de la démocratie, sans famille l'impossible, sans famille l'indispensable. Vous êtes capable de mettre pression, lors nos gouvernements, pour qu'ils assument ses responsabilités en tant que membres des Nations Unies. Mes camarades, il y en a beaucoup menés après la guerre. Moi, un enfant de la Deuxième Guerre mondiale, quand mon père sortit la guerre, il venait qui m'a donné. Mais ceux qui lient l'histoire, pour rappel, c'est parce qu'il a la Ligue des Nations qui crée après la Première Guerre mondiale. Quand il prend ma disposition nécessaire, quand le Japon il envahit la Manchurie, quand l'Italie il envahit l'Érythrée, et qui la Ligue des Nations il décrédibilisait, mais puis il a une crédibilité pour être capable. C'est sur le monde un regard de sécurité et de protection. À ce moment-là, fin saisir le fascisme espagnol avant la guerre, mais surtout le fascisme italien et le fascisme allemand. Et nous bien connaissons qu'avec le fascisme allemand, nous fin débouche en 1939 de la Deuxième Guerre mondiale. Nous débouche dans un génocide de 5,9 millions de juifs. Et après, même après la guerre, nous venons comme génocide biafraise au Nigeria, nous venons comme d'autres au Rwanda, un autre génocide dans ce qui peut traverser dans sa région, dans la Mésopotamie, l'endroit que trois religions révélées une prend naissance, le judaïsme, l'islamisme, l'islam et le christianisme. Quand nous doit à cette région-là, la civilisation dans laquelle nous vivons, cette région-là, aujourd'hui, lit en recul, lit en guerre, nous doit lire la médecine, nous doit lire les mathématiques, nous doit lire, nous ne sommes pas capables d'imaginer, nous doit lire la révolution néolithique, c'est-à-dire le passage à l'acte de la cueillette, le passage de la pêche à l'agriculture et à l'élevage. Malheureusement, sa région-là, les films constituaient des centaines d'ethnicités. Et quand l'Empire ottoman a démantelé après la Première Guerre mondiale, nous avons gagné un exode immense. Arméniens, Kurdes, Assyriens, Grecs, et Laris. L'ethnicité qui ne connaît la misère, qui ne connaît différents génocides.
Le génocide arménien, c'est sans doute le premier génocide de l'ère moderne. Est-ce que la question qui nous posez, est-ce que les Nations Unies vous laissent sa crise-là déboucher? La lettre que l'Observatoire a envoyée le Premier ministre, non seulement l'India qui est capable d'accueillir une centaine de familles dans le premier temps, à nous installer les autres, à nous accueillir les autres, et si l'accueil, l'intégration fait correctement, nous capables encore et encore, famille, moi entièrement d'accord avec l'orateur qui nous causait juste avant le dernier, pour dire que le pays est petit, à Langano, en passant, et qu'il est capable d'accueillir beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a un attentat en Afrique du Sud. Djibouti n'a pas réalisé qu'il a porté qui nous y connaît, libération pour Nelson Mandela, aujourd'hui par le blanc, puis assassiné, puis exproprié, puis connu la misère, le plus cruel, elle l'a porté l'apartheid à rebours. Des centaines de familles sud-africaines, une ville installée dans l'île Maurice, au point qui, je tenais leur propre lacage, leur propre village, leur propre club, leur propre supermarché, leur propre manière de vivre. Est-ce qu'ils aiment des roses qui gagnent dans l'île Maurice? Des centaines de familles sud-africaines ici, des centaines de familles européennes, ils installent dans l'île Maurice. Est-ce que ça pose problème? Il y a 37 000 travailleurs chinois, indiens, sri-lankais, Bangladeshi, malgaches, qui travaillent tous les jours, 37 000 qui travaillent dans l'île Maurice tous les jours. Alors économiquement, nous bisons autres, il n'est pas affecté nous, nous pas même tous autres un problème dans la société. Est-ce qu'il y a une centaine de familles syriennes ou irakiennes ou libanaises ou libyennes qui posent tout problème? Non. Où est-ce qu'il gagne tout ça? Il y a un relent raciste. Est-ce qu'il y a un relent? Ça oui, ça non. Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Rends-moi un service. Rends-moi un service. Nous avons trois grandes religions à l'île Maurice. L'hindouisme, quelle religion, quelle philosophie. Une religion élaborée, mais une philosophie qui n'a pas permis ça qui va traverser. Nous avons des religions révélées, des religions universelles qui coupent à travers les ethnies, les communautés, tout, c'est l'islam et le christianisme. Et Maurice nous fier de nos religions. C'est ça son résultat? L'abandon? Qui tirent dans un espoir? Est-ce qu'il nous vaut la peine, appelle-nous, un Mauricien? Ça démarche qu'il nous peut faire là. C'est une démarche pour pousser le gouvernement mauricien. Jouer son rôle au niveau des Nations Unies. Qui vous fait avec Assad? Qui vous fait avec l'État islamique? Qui vous fait avec l'État qui veut maltraiter les réfugiés en Europe? Qu'il soit l'ancienne Europe de l'Est ou l'Europe traditionnelle, historique. Qui vous fait ban Timoun et ban l'État qui laisse ban réfugiés morts dans la Méditerranée par centaines? Qui vous fait avec ce ban l'État qui n'occasionne la guerre si la Syrie, le Liban, la Libye, l'Irak, dans un état de situation aujourd'hui-là? C'est parce que, quand la Première Guerre mondiale est finie, l'Europe divise sa région-là en groupes, en territoires réservés, chacun y prend ce bout, et dans cette région, il vient indépendant. Donc, il y a une responsabilité. Quand l'Europe favorise l'État islamique en Iran, soutenir Khomeini, avec ce projet d'un califat chiite, il déclenche un processus de rétaliation de la part des musulmans sunnites. Et aujourd'hui, il y a des califats qui peuvent installer d'autres. Un mouvement contre l'autre, mais Dieu seul sait où ça nous peut aller. Ça va mener nous. Nous avons une prise de position pour prendre des choses aux Nations Unies. Sa prise de position-là est multidimensionnelle. Entre autres, la question des réfugiés, l'argent nécessaire
pour qu'ils soient réfugiés là, capables, traversent sa période de la difficulté. Maintenant, deux éléments avant de terminer. Beaucoup de monde pensait, mais tout ça, cause, et faire ça, irait là. Les dire, nous prenons les réfugiés, quand la guerre finit, si la guerre finit dans deux ans, trois ans, nous retournons dans d'autres pays. Mon camarade, Saban, le sunnisme n'est pas monolithique. Il y a différentes branches du sunnisme. Il y a différentes branches du schisme. Différentes branches. Il y a différentes branches du christianisme. Chrétiens orthodoxes, chrétiens roms, protestants, etc. C'est un endroit bouillonnant de contradictions ethniques et religieuses. Ethniques et religieuses. C'est une jolie phrase comme petits enfants. Pour ne retenir lui, il y a une phrase d'un film qui terminait pour dire si la terre est défaite d'eau, les hommes s'entretueraient pour une poignée de poussière. Quand il est arrivé, la terre est faite de poussière. Et nous avons vu envoyer nos mal camarades avant l'air retourner à la poussière. Par milliers, décapités, violés, abandonnés. Des enfants de tout âge, des enfants embrigadés dans la guerre, qui apprennent tout de leurs camarades, un enfant de 12 ans apprennent ils décapitent. Beaucoup de musulmans puis mourent dans sa région-là. Si vous pensez qu'il est dans sa région-là, vous direz que c'est une région que un chrétien qui peut délocaliser, qui peut mourir. Absolument pas. Le plus grand nombre de morts se trouve dans parmi les musulmans. Et sa solidarité qu'il nous exprime là. Si nous ne sommes pas capables d'exprimer, nous ne pouvons pas comprendre la différence entre l'islam et l'arabisme. Quand la première guerre mondiale finit, les arabes dans l'empire ottoman tiennent une minorité, ils ramassent baiser. Ils complexent ce problème là. C'est pour cela que le 9 octobre à Rosil, je finis de contacter les maires de bassin Rosil, ils tiennent la gazette pour mettre un travail pédagogique qu'ils nous faisaient faire. Une fois que ce travail pédagogique là finit faire d'abord, et nous avons un travail stratégique pour nous faire. Pédagogique, nous expliquer. Nous expliquer, et bien les jeunes, nous intéressons à l'histoire de sa région-là, depuis 3000, 4000 ans. Intéressons avec ça l'histoire-là. Parce que dans l'île Maurice, aux racines sont là-bas. Beaucoup aux racines sont là-bas. Même dans l'Inde, qui subit plusieurs invasions grecques, entre autres. Nous tous, dans l'île Maurice, nous disons tout, nous avons une racine quelque part qui sont depuis là-bas. Maintenant, nous avons nos cultures. La culture est liée avec l'espace-temps. Il y a 300 ans qui nous restent dans l'île Maurice. Autour de la fête, 300e anniversaire de l'arrivée des Français à l'île Maurice, bullshit. C'est pas 1715, c'est 1721-22. Il n'a pas anticipé à sa quantité-là. Un bateau vient dans Maurice, français, en 1715, c'est pas pour autant qu'il est Maurice, il vient un état, une colonie française. Nous allons comprendre bien les dates de l'histoire. 300 ans, mais nous perdons 300 ans, nous. Des millénaires, nous, l'histoire. Parce que nos racines sont dans l'Inde, dans la Chine. Dans la civilisation arabe, mésopotamienne, dans l'Europe. Nous avons l'histoire enracinée, mon Dieu, pas des quelques milliards, plusieurs milliards d'années d'histoire derrière nous. Nous, culture mauricienne, il y a une géographie. Et au sud de l'océan Indien, nous pouvons construire une culture ici. Cette culture-là est différente avec la culture en Syrie, est différente avec la culture au Sri Lanka, est différente avec la culture à Madagascar, nous pouvons construire une culture. Faudrait-il que dans cette culture-là, nous construisions avec
abandonné de l'histoire, avec un humanisme, avec une civilisation qui vaut la peine, appelle nous, qui est une culture mauricienne. Alors c'est la civilisation, c'est quoi? C'est l'association des cultures. Quand nous prenons différentes cultures, nous mettons ensemble, nous créons une civilisation. Nous devons créer une civilisation dans le monde. Mal camarade, le 9 octobre, même si la Gazette sur outil qui vous explique ça, l'enjeu politique, économique, historique, ethnique, religieux, de ça qui peut passer à ça l'époque-là. Nous pouvons aussi prendre dans la Gazette-là, nous pouvons causer un peu l'exode qui peut passer de l'Amérique latine, Haïti, Mexique, vers les États-Unis et Canada. Il y a l'autre exode qui peut prendre depuis Sri Lanka, Bangladesh, Thaïlande, Birmanie, le bouddhisme, hein, peut détruire une petite communauté musulmane là-bas. Le bouddhisme, qui est une philosophie de paix, le même bouddhisme, philosophie de paix, est massacré en Tamoul au Sri Lanka. Nous pas conscients, nous pas concernés, ça pas nous problème ça. Ou bien on dit la tête pays qui pas les ventiler les doigts. Il est nécessaire qui nous expliquer la pédagogie. Il est nécessaire qui nous rassembler. Tout le temps vous dire Manjimoun, Bouddha tout seul, il y a 1,5 milliard de monde bouddhiste dans le monde. Jésus-Christ tout seul, 2,3 milliards. Mohamed tout seul, à certains moments, quand il y a une révélation, il doutait lui-même. Si pas, il peut vivre fou, ou soit il y a une révélation qu'il peut recevoir, je vous dis, c'est 1,4 milliard. Mon camarade, 50 du monde, pas capable de mobiliser du monde dans l'île Maurice pour qu'il nous prenne conscience, qu'il nous culture et nos civilisations méritent qu'il nous donne une attention particulière à ce qui va passer dans le sud de la Méditerranée. Si nous ne pouvons pas faire, qui nous vous faire? Je suis bien content, je suis Alain Delou. Je suis bien content, je suis Alain Ganou. Je suis bien content, je suis Alain Laridon. Je suis bien content, je suis sa camarade fait causer avant moi là. Sadien. Nous d'une génération de l'esprit 68. Nous d'une génération de l'esprit 68. Nous nés dans manifestation. Nous nés dans combat démocratique. Nous nés dans combat pour ma liberté. Nous nés dans combat pour mon droit. Avec, pour moi, retrouve-moi parmi eux aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est une affaire qui fait moi chaud au cœur. Tout au moins, avant de disparaître, je vais retrouver un ancien camarade dans un mouvement autant important que ce mouvement-là. Je souhaite que d'autres camarades viennent de nous. Je souhaite que nous, l'État, le gouvernement, capable de prendre une position. Je souhaite que nous capables d'accueillir une centaine de réfugiés de la région. Je souhaite que l'île Maurice donne l'exemple parce que nous avons les moyens, nous avons la capacité pour donner l'exemple aux autres pays qui peuvent attendre pareil comme nous. Merci, ma camarade.